الوغ اسمي هو على كل حال ولد عمو ابراهيم. دونك ني لو 22 ديسمبر 36 في تدر سنه العزيز ادوار بقبيل الدار انا عين الحمام ولا ينتي سيوسو الجيريان دوريجين ميليتانتيزم دابور امكن عاش زيك ذي تمورس ضرب تمورس نعاش المزيريا Enfin, c'était comme tout le monde, tous les Algériens. À l'époque, on vivait dans une misère. Et c'est ce qui nous a poussés à partir. Si on veut, en France, c'était un exil à l'époque, à l'âge de 15 ans et demi, en France. À Qatar, ça mort, le pays n'a rien à... و صايره هادي يفكي دونك زين ناين تاع نروحو من ف لو 17 جويي 1952 جي بري لا فيل دورونج جو مي سوفي ا موا سا سي لا بروميير فوا اي دو فوا جات و غور دون دي فيلاج بور الي ايميغري en France, rejoindre mon frère qui était déjà venant depuis assez longtemps. À 15 ans et demi, qu'est-ce qu'on est Je me souviens, Marseille, gare de Lyon, plutôt, dans la dernière, c'est un plutôt, le Wakhoné, c'est Akville. C'est le village, donc je suis resté une nuit par Capito, après Roch Dihma, mon frère, qui habitait Paris, et Bouyitchou, Talqash, Ksaka, il a fait un vista saoudite, je me souviens, il a fait un roi le bleu, il a fait un bedri. Nous, on était jeunes à l'époque, on ne fait pas de la politique, on ne connaît pas. Tu vas accueillir le droit en français, la première chose, c'est de ramasser l'argent et construire une maison en Kabylie. C'était le vœu de tous les émigrés, sauf Igad Min Karim Jahani, sinon c'était le vœu de... travailler, envoyer à la famille, et puis... Donc là, nous sommes en 52. Donc on a travaillé, après j'ai travaillé dans des usines, au déclenchement de voix, c'est ça qui t'intéresse beaucoup, de la guerre de libération, déjà c'est 54, ça me faisait déjà deux ans en France, on a appris un peu, on fréquentait les syndicats, les trucs, on commençait à comprendre la politique. Au déclenchement en Algérie, novembre, déjà en France, il y avait des partis politiques, surtout le MTLD. Mazal le MNA, Mazal était le MTLD, l'image de Mussolini, c'est le leader incontestable, c'est un grand cadavre, au déclenchement en Algérie. La création par les six du FLN.
Le FLN historique n'était pas un parti politique. C'est un rassemblement de toutes les énergies politiques. Ça veut dire que les anciens partis doivent rentrer au FLN à titre individuel et non avec leur parti. Donc, Shahid Abbas Anwar qui était chargé de créer le FLN, parce que novembre 54, il n'y a que le sigle, il y a l'ALN, mais le FLN, pratiquement, est inexistant, il faut le créer, il faut créer. Donc, tous ces partis, il les a invités à rejoindre le FLN, à titre individuel. C'est pas, tu viens pas avec ta force. Hein. Alors, l'Udma Ilham, même les communistes Ilham, le MTLD scindé en deux, les centralistes, Ilham, Ben Khaddam, Ilham parce qu'il a fait ses études avec Abad à Blida, bref, Ilham. Il a eu des problèmes à faire rallier l'ulama. C'était difficile pour lui. Il a eu beaucoup de problèmes à Abel pour. J'ai le document, hein. C'est pas, je ne blague pas. Qui dit, ouais. Il a eu des problèmes, mais quand même, il est arrivé à la. Parce qu'ils ne veulent pas dissoudre leur. Ils veulent rentrer au toc du Jumaïyat et l'ulama. Ça, il n'est pas question. Tu rentres à titre individuel. Et il est arrivé quand même à les convaincre. Il a mis du temps, mais il les a convaincus. Et c'est là donc qu'il a créé le Front de Libération Nationale. C'est pas qui met le Front Lyum. Ici, c'est un parti politique. Parti du Front. Moi, c'est le Front de Libération. C'est l'union de toute la fusion de tous les anciens partis, et c'est devenu un parti révolutionnaire qui a unifié l'Algérie. C'est pour ça, donc, c'est arrivé en France. Donc, le FLN est créé. Mais Salé, en décembre, il crée le MNA. Parce que la branche Messali, il ne veut pas Messarof. C'est moi le patron. Vous n'avez pas le droit de faire la révolution. Donc, il a créé le mouvement national algérien. Même l'Algérie, il a existé un peu. Il a créé. Et le FLN, là, en France. En France, il n'y a pas le FLN. Mais Salih, il est connu, c'est tout le monde. Kainin, il y a nous, c'est beaucoup de Kabyles. Il faut qu'il ne m'amchèche, Zahim, il ne m'amchèche. Il y a beaucoup. Y compris les Kabyles. Ah oui, il y a beaucoup de. Parce que ça, sur 14 000. Ça, c'est écrit pareil, 14 000 militants du PPA, 10 000 sont de la Grande Kabylie. Qui existait à l'époque. Le PPA à l'époque, on bat d'abord. Pour te dire, donc en France, le MTLD, en France, l'étoile nord-africaine a été créée en France. Le PPA a été créé en France, donc la communauté émigrée, ils étaient politisés, ils fréquentaient les syndicats, ils sont formés. Et l'étoile nord-africaine.
sur 23 membres, 17 sont de la Kabylie. Les trois membres sont de la Kabylie. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Obama, l'immigration, la majorité, c'est la Kabylie qui sont en France. Et la Kabylie, il y a des grands syndicalistes kabyles en France, dans les villes, ils ont appris que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et c'est comme ça. Donc à la création, contre les cinq, les six, ils sont séparés. Boudiaf à l'extérieur pour aviser la délégation extérieure. Chacun va dans la région, Ben Boulin, les Aurès, des Douches, Constantine, Kérim, la zone, avec le Wurtz et les zones. Ce n'est qu'après le congrès de la Souma qu'il y a Wilaya, Beta, Talger, Ben Mahidi à l'ouest. Ils sont donnés rendez-vous, et tu l'as au mars ou l'avril 55. Pour faire le bilan de l'organisation. Donc Boudiaf, à l'extérieur, le premier responsable, il a désigné Tarbouche comme Tarbouche, Nata Abdelmoumen, Kabyle. Il a désigné. Mais les débuts, chacun a désigné. Kérim aussi a désigné quelqu'un à qui il a fait une lettre, là je l'ai vu. Il a désigné, et on parle de Saïd Wali, Mouzarine Saïd. Parce qu'il fallait barrer la route à Missali. Et donc, il faut que chacun de son côté essaye d'arracher le. Et le gros, si tu arraches les Kabyles. Tu les démarches, il est foutu le MNA. Parce que grâce à l'organisation des villages, donc vous voyez, en France, il y a une organisation des villages depuis longtemps. C'est pour envoyer même Mouthwalbal à Sitchigan, mais après, même tu arrives comme immigré, ils vont t'aider, ils vont trouver le travail. C'est une déjà organisation prête à convaincre. Pour rejoindre le FLN, en gros, c'est pas un devis, en gros, et c'est pour ça que la Fédération de France et la Fédération des Kabyles. C'est pas connu de tout le monde, mais ça a existé. Donc, personnellement, on était jeunes, mais mon frère, il était déjà dans le MTLD. Des militants, hein. Nous avons les journaux nés à Algérie libre, à l'époque du MTLD. C'est l'Algérie libre, c'est des jeunes, hein. Ce ne sont pas des politiciens, mais il y a beaucoup de politiciens kabyliens. Et c'est donc la naissance de la fédération, elle a commencé, disons, en décembre, à peu près, décembre. 54, la naissance, c'était les moments les plus difficiles. Pourquoi? Il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas de moyens d'argent. Il y avait moins de repression. Mais il n'y a pas de moyens. Donc il faut contacter les gens du village. C'est ça. Réussir à rallier le village, c'était très important. Et c'est ça qui a permis, les premiers temps, au FLN, d'avoir une force. Quand le village, il ramassait de l'argent, et les envoie au bled. Ils n'ont confiance d'aucun parti. Quand on envoie l'argent au maquisard direct. Je sais qu'on a envoyé quelqu'un à Saada Wahbel, Massanatos Regalte, à la Marbet, etc. Il envoie à la réunion du village à Bokville.
à Puteaux, et l'ont envoyé en Algérie avec l'argent. Au retour, il a eu une lettre. Et Kessin Mohamed Saïd, il mettait l'adjoint Krim, et vous pouvez cotiser et rallier le FLN en France. Qu'il y a, vous pouvez cotiser sur place, c'est du sérieux. Et c'est là qu'on a commencé à militer dans les rangs du FLN. Personnellement, je me souviens, je travaillais chez Hachette, librairie Hachette, dans le 15e. C'est en 55. Hein. On cherchait les contacts, il faut les trouver, les contacts. Je travaillais avec quelqu'un, il s'appelait Siddiq. Je crois qu'il est mort, après il est rentré au bled. Donc je connais quelqu'un. On va aller le contacter, et on est sûr, c'est un ancien maquisard, il était avec Kerim Belkacem. Donc c'est du sûr, quoi. En effet, et c'est là qu'on a commencé, on a pris rendez-vous avec ce monsieur, on s'est rencontré, je me souviens, la gare Saint-Lazare. Voilà, quelle est notre mission? Votre mission, il faut recruter les gens. Il n'y a pas de limite. Tu ne vas pas dire à un dans tel quartier, une garde. C'est libre, recruter, recruter, recruter. Et faire attention évidemment à nos adversaires. Il y a le MNA, c'est connu, je me souviens. Il y a quelqu'un, il est d'Azazgan. Tu es chef de Qasba du MNA. Nous l'avons contacté, Mazalis, on est devenus amis après. Khedar Mazalis, il est là, vivant. On l'a vu, tu es réticent. Kalkarani Roh, le bled. Je vais essayer de contacter les maquisards, je vais aller voir Krim Belkacem. Si c'est la vérité, je vous rejoins. Et en effet, Roh, il est revenu, il a dit c'est vrai. Il a dit c'est vrai, mais il y a aussi le MNA quand même. Oh, il y avait Belounet sur le bateau. Il y avait beaucoup comme ça. Il y avait un autre dans le 19e arrondissement, Kent Kawin. Il y en a aussi des Kabyles à la tête. Il ne faut pas croire Gouel Kabyle. Avec Ousmo. وقال محمد سي موح ورملان إلي دا عزازقا أوسي إلي دا دي فيلاج قمرابض النسبس شرفة Mon parcours, c'est simple, il était simple. On a adhéré au FLN, après avoir recruté, organisé à titre de militantisme les gens, nos adversaires qui sont le MNA, ils étaient en perte de vitesse, ils sont passés à l'action. Ils commençaient, celui qui quitte leur parti, il est tué. Et les cadres du FLN, ils sont tués. Donc nous étions obligés de créer ce qu'on appelle les groupes de protection d'abord pour protéger les cafés, parce que les lieux de rendez-vous, ce sont les cafés, les hôtels des Algériens, c'est là que les gens ramassent l'argent, c'est là qu'on se rencontre la réunion, pour protéger les commerçants. Après, le MNA, ils sont passés direct. Travailler avec la police française. Vous avez une RAF, elle passe fouiller un café, FLN. Il faut s'attendre à un quart d'heure, 20 minutes. Ils partent à l'eau. Tu es mitraillé par les groupes armés du MNA.
c'est comme ça. Donc c'est comme ça, des groupes de protection, on n'est pas sur groupe de choc. Il faut créer les groupes, il faut se débrouiller les armes, et donc riposter. Riposter, notre force c'était, nous on connaît les chefs. Donc nous c'est de descendre le responsable. C'est mitrailler un café, ça ne sert à rien. Moi j'avais un groupe de 9 personnes, des choquistes. 3, c'était les gens du milieu, avec ce pour descendre les collaborateurs et les indicateurs. Il y a 5, c'est des gens normaux, c'est pour s'occuper du MNA. Voilà. Ah ben je ne l'ai jamais connu. Un crime, je l'ai rencontré, mais après l'indépendance. D'accord. Oh, un crime, on était des militants. Un crime, c'est le numéro un de la révolution. Et ben, il nous a invités un couscous chez lui, à la réunion à côté du ministre de la Justice, sa villa, voilà. C'est sa villa qui a pris Mohamed Cherif Moussaadia. Il l'a refaite, il a fait un chapeau. À Elbiar, c'est la villa de Kérim. C'est là, je l'ai rencontré, il était avec Simouhad Ouelhaj, Cheikh Tayeb, au Douzgar, Slimane Amera. Il nous a invités, et un couscous, c'est celui qui nous servait. Quelle année? Oh, 67, ou d'accord. 67. Avant qu'il crée le MDR, voilà. Non. Moi, à l'époque, il nous a invités pour couscous, il n'y a pas eu de politique. D'accord. La politique, déjà, on a été dans le FFS, on a... non. Ouais. Mais pour moi, c'est un honneur de connaître le crime, le Qasim. C'est tout. Moi, Maxime Mohamed Ouelhaj, on s'est connu le FFS. Donc, une fois, on a fait un attentat avec un collègue nationnier. Bon, on était arrêté, hélas. Dans le 19e arrondissement à Paris, arrêté. Bon. Quelle année? En le 3 juin 57. Ouais, c'est le 3 juin 57. Et on est passé en justice le 29 mai 58 dans un tribunal militaire. Tribunal recherche midi, tribunal militaire. J'ai copté. Donc ils nous ont condamnés à la peine capitale qu'ils appellent la condamnation à mort. C'est pas parce qu'ils s'en fichent que tu as tué un Algérien. C'est pour servir d'exemple et dire sinon, un jour ils vont nous faire une guerre sur le territoire français. C'est ce que je voulais que tu prends. Tu arrives à 61. 61 contre le FLN a déclenché la guerre en France. C'est très important à connaître pour la génération, pour les jeunes, pour le 5 juillet, c'est vite fait, après. Voilà. Donc, condamné à mort, on est parti à la prison de la santé. On est resté condamné à mort 10 mois dans le couloir de la mort, celui condamné à mort. À l'arrivée de Gaulle, Orbe McLean. Il a gracié les premières étapes, il a gracié à la fois 123 condamnés à mort, parce qu'il y avait en Algérie, avec Sidlan, Jamil Bouhaird, Yass Saadi, un canard, et nous deux, on a été graciés. Malheureusement, la grâce est change de prison. On est dans une prison, c'est un enfer. Clairvaux, la centrale, c'est donc à côté de Troyes, Marseille de la France, un peu Troyes. Une prison, ce qui m'a personnellement m'a donné du courage, j'ai retrouvé
des vieux de Constantine, arrêté en 47, et on est arrêté avec Mazouzi, Mohamed Saïd, en 48. Ça qu'ils ont souffert. Alors, il nous fallait une année faire la grève de la faim pour abréger, je suis à Barca, je vois que tu es pressé, pour abréger, parce qu'ailleurs il y a eu un régime politique. Mais à Clermont, c'est une maison fermée. Et on nous envoie à l'île de Ré, à l'île de Ré, la prison de l'île de Ré, c'est une île. Une île, avant, historiquement, c'est par l'île de Ré, les voilà, la Nouvelle-Calédonie, voilà. Donc, après, il y a eu les accords. Là, j'abrège un peu. Hein. Il y a les accords, donc, on a fait plusieurs grèves de la faim, plusieurs. Pour arracher les droits. Et s'il y a eu la grève, la négociation des viandes, ils nous ont libérés. On m'a libéré le 27 avril. Mais ils m'ont envoyé à Serkadjir. À Serkadjir. Et sinon, bon, le 27 avril, on est libéré. On retourne au village d'origine. Et c'est là, il fallait. J'étais désigné comme président de la délégation à l'époque spéciale. La mairie, c'est moi qui ai organisé, qui a créé la commune d'Arville en 62. On a comme siège Kham El Hadj El Joudi, qui était occupé par la SAS. Après, on l'a pris pendant le temps. Il n'y a pas de siège, c'est la maison de Hadj El Joudi. On a organisé les élections, on a ramassé les Moudjahidines enterrés à Ville-Rouabi, parmi mon frère, Kada. On a érigé, quoi qu'il a fait, un monument à Nigasullah, Nismisakana. Le premier monument pour Akhvi, tous les morts, Shuhada Boukhvil, ils sont inscrits à Dina jusqu'aux élections. Après, comme personnellement, on n'était pas payé le président des centres, j'ai mission accomplie, le vote Ikfa. Je suis allé à travailler à Tizi Ouzou, à la Wilaya, préfecture à l'époque, le préfet d'Ahviv, c'était Yassine, il y avait Tahar Tamzallah Rahman, et de là, on travaillait, on était bien construit, j'étais né même dans le parti où dans toute l'administration de Tizi Ouzou, je rentrais faire des réunions dans les prisons, dans les trucs, bref. Après, j'ai le FFS, nous sommes obligés, on a rejoint le Hussinaït Ahmed, le FFS, en septembre. Et le FFS, tu sais que le Hussin, il est resté chez nous à la maison, on est resté ensemble le char. Notre maison était la première maison, refuge et transit de la ILN. Et après, le FFS, on est resté là. De là, moi, je suis parti. Bon. Quand au 5 juillet, j'étais à Alger. J'étais à Alger, je me souviens, il y avait un défilé à Akef. Et il y avait, ça, je ne peux pas le. Un vieux, je pense. Je le vois comme ça, c'est en français. Je me souviens, je l'ai soulevé, j'ai dit, n'aie pas peur, on vous fera comme mal. Manifestation grandiose, le groupe du GPR à Kharjougal, ils étaient à l'hôtel et la préfecture.
J'ai vu que les Mkazakazan, il n'y avait pas Ben Bellan ou l'Akhraïna, opposant les Kazan. Le 5 juillet, c'était bien passé. C'était bien passé. Au niveau du port de Sidi Ferus, c'est Mohamed Ouelhaj qui a descendu le drapeau français et monté le drapeau algérien. Pourquoi Mohamed Ouelhaj? D'abord, c'est le plus âgé. Et comme colonel, il n'est jamais sorti à l'extérieur. Il n'est jamais sorti à l'extérieur. Donc, les honneurs reviennent à ce Mohamed Ouelhaj. Et c'est un homme respecté, très respecté, respectable. Regardez, il est bien comme un bon homme, respectable. C'est lui qui a monté le drapeau. Donc, je pense que la Kabylie a joué un grand rôle. Et normalement, quelqu'un est posé la question. C'est vous les jeunes, Adinin. C'est vous les jeunes. On voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez. Parce que c'est votre. Nous, c'est le passé, tout moi, c'est le présent. Mais est-ce que pour moi, les jeux ont été faussés en 62. 62, déjà on était déçus, parce que nous on était militants. Pour nous, le GPRA, le truc, quand on a vu les dirigeants, ils sont rentrés en désordre, c'est pas en ordre, on sait que ça. On sait qu'on a cassé l'élan révolutionnaire, l'année 62, il est cassé. Alors, la guerre, pendant la guerre, il est cassé. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qui a pris le pouvoir? Après, il y a un crime pour certains qui n'est pas un crime. Alors qu'il y a le premier maquisard, il a allumé le feu, il a éteint le feu. Pour moi, le crime, c'est le plus grand. Oui, le cas. Parce que Abel, d'accord, il a fait. Mais Kirim, Bakizar, il a organisé là où il y a 3, il a organisé là où il y a 4, il a organisé là où il y a 6, etc. Sur 2022, Kharbel Khiyod, bien. J'ai gagné. On ne peut pas. Allah, on a perdu le Nord, on ne peut même pas analyser. Je dis, rendez-le d'où? Qu'est-ce que tu veux? On ne sait pas. On n'est pas dans le coup. On peut. Moi, c'est aux gens qui se demandent qu'est-ce que vous voyez. Certains objectifs, peut-être, oui. Mais c'est pas ça la révolution. On n'a pas fait la révolution. On a fait une guerre de libération. C'est différent entre une guerre de libération. La révolution, c'est révolution. Coulche. La guerre de libération, on a libéré le pays. La révolution, c'est... Non, c'est juste ou pas? On n'a pas fait de la... Assif. Mais dit Ahmed Wassif. Adieu, oui, on a Isra. أديوي إصغارا أديوي لوسخ يتساوي شوط بومان زديا دونك لا غير نغكن بيف اسمي تفرش هكا يغال لكن إلا زي وين إلا الناسيوناليست يغال ناسيوناليست وين إلا زعما فرض يغال يتسكر إسا دير des vrais militants, ils sont restés vrais militants. Nous, on était dans l'opposition, on a pris l'opposition. On a perdu des hommes au maquis des FFS. Nous, on a pris position. Mais l'Algérie, c'est pas seulement...
c'est pas seulement la Kabylie. C'est les autres. Ben, Walid, le reste, ils sont contre. Ah, Walid, les Kabyles ont été attaqués, les noms. Il faut arrêter. Moutfei, Marathagui, donc. Donc, je pense comme on convient. Il y en a qui ont profité. Ils sont des. Je m'en fous. C'est-à-dire, à moins que je ne. C'est-à-dire, je boule l'homme. À te faire sortir, c'est d'avoir sortir. Il y en a. Certains qui n'ont pas de principe. Qui n'ont pas dit une idéologie. Fais-moi. Oui, je ne suis pas là. Je suis là, je suis là, je suis là. Et il y a des. Voilà. Entre Boudiaf et Mahahaz, voilà. Comment elle a terminé. Krim, comment elle a terminé. Khidr, comment elle a terminé. Et Ahmed Lukanur, Harishara, ça y est. Et beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas. Ils sont partis. Ou aussi Tricity, ou aussi Soyan, ou aussi Soyan. Et je pense que le colonialisme français, bref, il n'est pas sorti d'Algérie. Ils tirent les ficelles. Ils ne sont pas là physiquement, mais ils sont là. Ils ont laissé des racines très profondes. Et vous croyez, Boudiaf, il a été tué qu'avec la bénédiction des services français. La France n'a jamais voulu qu'un homme du 1er novembre soit président de la République. Et la signature de Krim qui a signé moi, les accords d'Évian, c'est l'époque de Gaulle a exigé d'être, je voudrais que ce soit un combattant. Hein. C'est pas un homme politique qui va signer, c'est un combattant. C'est plus sûr qu'avant. Mais ils ont leurs hommes, la France, ils ont leurs hommes. Ils les ont placés, ils ont rallié le FLN à la dernière minute. Allez. Mais je suis sûr qu'il a placé, qu'ils ont leur service, ils ont leurs hommes. Je crois qu'il faut quand même avoir confiance en l'Algérie. Il ne faut pas y aller vous démoraliser. La roue, elle tourne, nous sommes obligés, tôt ou tard, de suivre là. Sinon, elle va nous écraser, la roue, à dire. L'Algérie est obligée de rentrer dans un cadre. Mais il faudrait qu'il y ait. Il n'y a pas de parti politique crédible. Oulash. Il est un peu le FFA, ce n'est plus le FFA. Il faut des leaders. Parce que pour qu'il y ait un changement, il faudrait qu'il y ait des partis qui sont capables de gouverner. Mais en ce moment, quel est le parti qui peut gouverner l'Algérie? Il y a l'armée. Et ça, c'est fait un dessin. Il y a l'armée. D'ailleurs, Boudiaf l'avait dit, ça. S'il n'y a pas un parti crédible, c'est toujours l'armée qui va continuer à gouverner l'Algérie, à désigner ses hommes. Ah. Le FLN, il est mort. Rien du tout. Le FFS, c'est Kabyle. Allez, rien qu'à de côté. Les islamistes, zéro, c'est défendu. J'espère que les gens d'abord, ils vont s'intéresser à étudier. À apprendre l'histoire, à aimer l'Algérie. À aimer l'Algérie, et s'il faut lutter, il faut lutter. Personne ne peut te donner quelque chose. Il faut l'arracher, la liberté, il s'arrache. Comme on a arraché l'indépendance, c'est pas avec des prières. Il a fallu sacrifier plusieurs milliers d'Algériens de villages déterminés pour accéder
à la liberté et à l'indépendance. Maintenant, pour reconstruire l'Algérie et créer une démocratie, il faut que les jeunes recommencent. Quand on regarde, vous avez étudié, on a des médecins, des ingénieurs, des intellectuels, et c'est ça. Avant, c'est toujours les paysans qui luttaient. Maintenant, il faudrait que ce soit l'élite. Et l'élite, c'est les intellectuels qui doivent poser, peut-être essayer pacifiquement, mais être solidaire. Il ne faut pas... Et bannir le régionalisme. Définitif. Bannir le régionalisme. Il faut arriver un jour à être content de dire nous sommes Algériens. Il n'y a pas d'avec Algérien tout court. Il n'y a pas d'Algérien arabe dans l'Algérien. Kabyle, il est Kabyle, mais il est Algérien avant tout. Nous sommes des Algériens, avoir des objectifs sains et essayer de faire quelque chose. Sinon, ça va s'empirer davantage.